et la médaille d'argent aux barres asymétriques. Et le grand Vitali Tcherbov va boucler la finale au parallèle. Alors il n'a plus rien à démontrer à cet agrès puisqu'il est champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, en dehors de tous les autres titres. Il est surtout remarquable de perfection dans l'exécution de ses exercices, saltement carpé dans les barres. Vous lui direz la prochaine fois qu'il ne choisisse pas le gris. Travail latéral, bascule, valse, demi-tour sur une barre, il va recommencer, demi-tour sur une barre, et double carpé. C'est bien, ouais. C'est tonique comme mouvement, hein. C'est moins huilé que les Asiatiques, moins huilé, et d'ailleurs, Li Xiaoxuang regarde avec intérêt toujours évoluer Tcherbov, qui lui a fait le coup au sol, le coiffant sur le fil. Et j'ai l'impression que... Alors là, les juges, ça va être intéressant. Parce que le Tcherbov a l'avantage d'avoir un juge russe au parallèle. Oui, oui, oui. On va regarder ça de très près. Et au bar parallèle, certes, le jury est beaucoup plus proche de la Biélorussie que de la Chine. Hein. Avec le russe, le roumain, qui lui seront certainement assez favorables. De toute manière, dans son exécution, Tcherbov, votre ne fait pas la part belle au juge, puisqu'il ne fait jamais aucune faute, et qu'il s'en remet donc totalement à eux pour juger la combinaison. Un petit peu en comparaison aussi avec les concurrents précédents. Et voilà. Tcherbov est en tête. Là, voilà. 9-812, rien à enlever sur ce mouvement.